Je m'appelle Marie. Je suis québécoise. J'ai grandi sur une ferme pas très loin de la mer. Je retrouve un peu de mon territoire gaspésien dans la falaise derrière chez moi où vibre la marche des saisons. Donc, je m'appelle Marie. Ça fait à peu près 3-4 ans que je danse avec Angélique. Puis la danse, bien, ça nous fait sortir, s'ouvrir sur d'autres personnes, rencontrer des gens de toutes sortes de générations. Puis ça nous donne le goût de continuer d'aller vers l'écriture, aller vers toutes sortes d'autres ateliers. Ça fait que je vous souhaite une belle journée. Au sud du Vietnam. J'ai eu une enfance très difficile, marquée par l'absence de mon père pendant 6 ans, car il était emprisonné dans les camps de concentration. Les communistes vietnamiens, communément appelés les Vietcong, nous ont massacrés et volé tous nos droits et nos biens. Persécutés, nous cherchions à nous enfuir en quête d'une vie meilleure. Après 2 tentatives de fuite infructueuses, nous sommes arrivés au Québec dans une tempête de neige une semaine avant Noël. C'était tout un choc climatique et culturel. Par la suite, grâce aux classes d'accueil, j'ai appris le français et la culture québécoise. C'est là que j'ai découvert Gilles Vigneault et Félix Leclerc, que j'aime beaucoup. Au cours des années suivantes, je m'intègre progressivement à la société québécoise. Cette terre d'accueil froide mais chaleureuse m'a permis de m'éduquer, de grandir, d'avoir de la liberté, de l'amour, de l'espoir et de la sécurité. Maintenant adulte, je porte fièrement en moi les 2 cultures vietnamo-québécoises. Oh.
devant le public, essayer de, d'être venu en si grand nombre. Je m'attendais à moins, là. Pourquoi j'ai participé à ce projet Racine commune? Parce que traditionnellement, je viens d'une culture vietnamienne asiatique. Et surtout une famille très, très, très traditionnelle et stricte. Donc, l'expression n'est pas autorisée, mais c'est très limité. Et encore moins pour l'expression corporelle. Donc, en participant à ce projet avec Angélique, j'ai pu découvrir c'est quoi l'expression corporelle d'une autre façon pour s'exprimer par l'art, l'art de la danse. Donc, c'est ça. Puis, j'ai fusionné un peu la danse contemporaine avec une petite touche vietnamienne. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle. Merci. Bonjour. je ne vous ferai pas de danse, mais je vais vous parler un petit peu plus. Peut-être je vais bouger tout le temps parce que c'est un peu ça mon ma pratique. Donc, c'est moi, Angélique. Comme Yoannis m'a présenté, je suis intervenante sociale par la danse puis artiste en danse contemporaine. Puis merci Marie, Mélodie, d'avoir partagé ça avec nous. Je vais vous expliquer un peu plus tard aussi ce qu'est Racine commune. Je peux peut-être commencer par vous dire c'est quoi pour moi, quelle place prend la danse un peu dans ma vie. C'est sûr que moi, je pratique ça depuis que je suis toute petite, beaucoup dans le loisir à la base. Puis ensuite, c'est au travers des... En fait, j'ai fait des études après en travail social. Je continuais à danser pendant ce temps-là, mais encore comme amateur. Puis, je me suis demandé aussi comment je pouvais allier l'intervention puis avec la danse, parce que je trouvais que les mots, j'avais l'impression que c'était limité comme source d'aide, puis d'entraide, puis de développement personnel. Puis parce que pour moi, la danse, c'est vraiment aussi une façon de s'exprimer, de communiquer, d'être entendu, d'être vu. Puis je trouve que ça peut vraiment faire du sens pour beaucoup de personnes, puis beaucoup de gens qui vivent avec des problématiques de toutes sortes. Puis c'est pour ça, après, que je suis allée faire des études en lien avec la danse-thérapie. Puis depuis, ça, j'ai fait ça en France. Puis à partir de 2015, j'ai commencé à plus développer ma pratique en intervention. Puis c'est sûr que moi aussi, quand je danse, il y a quelque chose, je me sens très vivante, très complète. Puis faire... des présentations, je trouve ça vraiment très précieux puis riche. Puis, je suis comme persuadée que tout le monde peut faire ça, finalement, là. Parce que j'ai rencontré plein de monde qui me disent « Ah, moi, non, mais moi je suis pas danseur. Moi je suis pas capable de danser. » Puis, ben c'est faux. Non, mais... ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, parce que je rencontre des gens avec aussi toutes sortes de limitations, des mots aussi, « Ah, moi, j'ai trop mal au dos, moi, j'ai... » Bon, évidemment, on a toutes nos choses, là, mais pour moi, c'est... On peut vraiment aller au-delà de ça, puis aller valoriser les forces de chaque personne, ce qui va bien, puis ce qui est présent. Parce que même si, ben, je sais pas, même s'il me manque une jambe, j'ai quand même tout le reste avec lequel je peux mouvoir, je peux me représenter dans l'espace, je peux construire l'espace, je peux créer des liens avec les autres. Donc, c'est pour ça que pour moi, la danse, c'est tout ça, en fait. Et c'est sûr que moi, depuis toujours, j'aime ça rassembler les gens. J'aime ça qu'il y ait,
J'ai des amis qui sont, je sais pas, ingénieurs, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont dans toutes sortes de sphères différentes. Moi, j'adore ça, les mélanger, puis voir qu'est-ce qui se passe. j'aime bien expérimenter. Donc, puis aussi me dire que moi, je propose ça comme une occasion de rencontre, puis c'est aussi au rôle de chacun de faire opérer, on peut dire, la magie et les relations entre les autres. Donc, je pense que je fais ça aussi avec la danse, de rassembler des gens de diverses cultures, divers parcours, divers corps, divers âges, sexes différents, pour permettre de partager quelque chose, puis de se rencontrer aussi dans un contexte que, autrement, peut-être qu'on n'aurait pas eu la chance de se connaître. Puis dans les ateliers de danse que j'offre, que j'appelle la danse et expression corporelle, on n'est vraiment pas dans la compétition ou la technique ou dans tant que ça, l'esthétisme. On est vraiment plus dans le prendre conscience du corps, comment je m'affirme, qu'est-ce que ça fait d'être vu par les autres, qu'est-ce que ça fait de voir telle personne qui bouge. Puis souvent, ce que j'entends dans les partages, c'est super beau de voir comment tout le monde bouge différemment, comment ils ont chacun sa singularité. Puis ça, il y a quelque chose d'énergisant là-dedans, puis de très appréciable. Voilà, je tourne la page. Donc c'est ça. Donc pour moi, la danse, c'est vraiment, c'est un peu un parallèle aussi avec tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans le sens, quand je marche dans la rue, il y a du trafic, comment je gère mon espace, comment je rencontre les gens, comment j'y crois, c'est quoi ma posture, est-ce que je suis consciente de même là, comment je suis assis, comment je mets mon poids sur mes appuis, sur le sol, sur une chaise, comment je respire, j'arrête pas de dire partager l'espace, je pense que je suis un peu obsédée avec ça, là, mais comment, comment je partage justement mon espace, comment je communique, comment je m'affirme, pour moi, c'est une grande source de, aussi même avec des enfants, d'éducation, puis une source d'entraide, même, oui, de thérapie dans certains contextes. Donc, je vois vraiment tout le temps des parallèles. Même moi, quand je fais des ateliers, quand je prends des stages en danse, quand je suis en création, quand je suis interprète, peu importe, c'est sûr que ça me fait travailler sur moi, là. C'est inévitable parce que je travaille avec mon corps, puis mon corps, il est rempli de toute ma vie, là. Il est rempli de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je ressens, de autant quelque chose des positifs, des parties un peu plus compliquées. Donc, le fait de... C'est ça, le fait de se rencontrer là, par la danse, ça peut vraiment faire sens à notre vie de quand on est dans le reste de notre vie de tous les jours. Et merci, Élie. Donc, dans certains ateliers, j'aime ça aussi qu'on soit là pour s'amuser. On passe beaucoup par des propositions ludiques, par des espèces de jeux dansés. On vient comme détourner un peu aussi notre cerveau pour pas qu'il soit trop en train d'analyser ce qui se passe,
Parce que ça, c'est sûr qu'on est spontanément un peu plus dans notre tête, en moins dans une culture qui est très axée sur le corps, là. Ça, c'est sûr, ça se peut, mais... Donc, pour éviter de toujours être en train de dire « ben là, ça, c'est correct ce que je fais, je suis pas sûre de ce que je fais, nanana », je viens comme proposer justement des sortes de jeux pour qu'on puisse un peu lâcher prise, s'amuser. Puis souvent, ça, à un moment donné, c'est sûr, ça, y a quelque chose qui débloque, puis ça fonctionne. Et c'est sûr que j'ai quand même des inspirations, en fait, en général, pour des inspirations de personnes qui relient beaucoup l'art, puis l'intervention sociale ou le militantisme ou des aspects comme ça. Je pense à des gens, beaucoup aux États-Unis, Anna Alprin, Christiane de Rougemont, Catherine Dunham, qu'il y a plusieurs années, ils osaient tellement faire de choses hallucinantes avec la danse, dans le sens des choses qui ne se faisaient pas, comme mélanger les blancs et les noirs dans une compagnie de danse, sortir dans la rue, puis danser au travers des voitures. Puis c'est comme un côté un peu pour choquer, mais en même temps pour permettre l'accessibilité de cette danse-là. Puis pour moi, c'est vraiment inspirant. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous sortir sur le toit puis qu'on va faire une danse ensemble, mais pourquoi pas, tu sais, dans le fond. je trouve ça vraiment fascinant. Puis c'est pour ça aussi que moi, j'ai envie de mélanger le côté intervention puis le côté dansant. Puis... en ce moment, ben, je pratique pas comme intervenante sociale pure et dure, mais c'est vraiment dans le cadre dans des organismes, surtout communautaires, que je viens proposer des programmes qui sont en lien avec, qui sont inspirés beaucoup de la danse-thérapie, mais aussi de la danse contemporaine, pour que ça devienne un autre outil d'aide, un autre outil de... justement, de développement personnel, de croissance et compagnie. Puis, par exemple, au Centre des femmes de la Basse-Ville, que j'offre ça à chaque automne. Puis aussi, dans ce même esprit-là, que j'offre des ateliers ici qui s'appellent « Dans son corps ». Puis, évidemment que c'est pas évident parce que tout le monde, souvent les groupes sont très hétérogènes, plus fort, ok. Les groupes, non. les groupes sont, c'est ça, sont assez mélangés. Tout le monde a un niveau de mobilité qui est différent. Mais tout le monde trouve son compte à un moment donné, même s'il y a une personne qui peut être très essoufflée ou peu importe, elle peut faire des exercices assise. Il y a toujours moyen de trouver une façon de s'harmoniser tous ensemble. Puis, comme je disais, ça c'est aussi en travail social, on utilise ça. Moi, j'axe beaucoup sur les forces de la personne, donc... C'est un peu travailler la partie saine de la personne. En santé mentale, on parle de ça pour permettre de venir renforcer cette partie-là pour que la partie malade, dans le fond, soit, on va dire, atténuée ou un peu... qui permette que ça soit un peu mieux géré, contrôlé. Donc même si... même si les personnes n'ont pas nécessairement un problème de santé mentale ou quoi que ce soit, bien moi, j'axe quand même là-dessus parce que je pense de toute façon que c'est important de renforcer cette partie saine qui est là. Puis je peux peut-être vous donner un petit peu des exemples de ce que j'entends ou ce que je vis et compagnie. Il y a par exemple
je donne des ateliers ponctuels au centre Jacques-Cartier, qui n'est pas très loin d'ici, avec les corps de la fibre du bois. Donc, c'est des gens qui sont en menuiserie. Et puis, on m'invite, c'est ça, une fois par corps pour qu'ils viennent expérimenter une façon différente de travailler en équipe, travailler pour soi et compagnie. Puis, généralement, bien, même moi, tu sais, sur le coup, je suis pas inquiète, mais je me demande comment ça va répondre parce que c'est une gang de, bon, 10 jeunes, bien, jeunes, entre 18 et peut-être 16 et 25 à peu près, majoritairement avec des hommes. Puis là, je me dis, hey boy, est-ce qu'on va y arriver, tu sais? Puis finalement, ils embarquent. Et puis, il y a beaucoup de, surtout des hommes qui me disent, bien, crème-moi que j'étais, quand j'étais petit, j'arrêtais pas de danser. Puis je me dis, voyons, comment ça j'ai arrêté finalement? Tu sais, ça y a comme remis dans ce mode-là de pensée, de dire, bien, j'aimais ça. Puis là, à ce temps, je me dis, oh non, moi, danser, ça me tente pas, j'ai pas capable, et compagnie. Puis là, juste un atelier un petit peu plus libre, mais quand même guidé, ça fait retrouver cette sensation-là. Puis, il y a aussi j'ai entendu qu'on me dit, bien, OK, je comprends un peu plus pourquoi les gens s'intéressent à la danse. Pourquoi on va voir de la danse? Parce que le côté aller voir des shows de danse, même la danse contemporaine, c'est un peu abstrait. Il y en a qui... C'est ça, qui se demandent un petit peu pourquoi, là, tu sais, c'est là. Fait que ça peut éveiller ce genre d'intérêt-là. Puis ça, c'est le fun, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent à mes ateliers qui font « Ah, je suis allée voir tel show, puis là, j'ai pensé à ce que tu as dit par rapport à tel aspect, telle énergie. » Donc ça développe aussi ce genre d'analyse, capacité d'analyse un peu envers le corps. Au Verger, un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, que je vais aussi de temps en temps. Ben là-bas, j'ai eu comme commentaire que certaines personnes ont l'impression de connaître encore plus les gens, même si depuis, je sais pas moi, 10 semaines, on fait un groupe ensemble sur l'affirmation de soi. Mais là, par la danse, par le mouvement, il y a eu comme un déclic qui s'est fait que j'ai vraiment l'impression que je te connais plus, puis que parce qu'on a partagé un moment peut-être plus fort, je sais, là, je veux pas y voler ces mots, là, mais... parce que aussi peut-être qu'on était on a été dans quelque chose d'un peu intime, personnel, mais sans parler. Donc il y a de quoi toujours un peu magique là, ou mystérieux dans le fait de pas se parler, mais d'autant se parler finalement. Et il y a aussi à Laura Les Merveilles, c'est un organisme qui offre toutes sortes de services à des enfants qui vivent avec des polyhandicaps, donc là, avec beaucoup de limitations. Et puis, la première fois que je suis allée, moi, j'ai été comme vraiment marquée par, en fait, les accompagnantes. C'était juste des femmes, ce moment-là. Il y en a qui étaient très, très, très touchées par ce qui se passait avec leur jeunes. Parce qu'il disait, bien, je ne l'ai jamais vu bouger comme ça. Mais tu sais, pour moi, je ne savais pas, je ne peux pas comparer. Mais comment ça a comme illuminé certaines... je sais pas, certaines possibilités dans le corps, finalement, grâce à toutes sortes de propositions. Donc, bon, je ne vous défilerai pas toutes, là. Mais je peux vous dire que... on est vraiment dans ce que j'entends aussi, c'est le côté que je suis contente, j'ai l'impression d'avoir pris soin d'une personne pendant tel atelier, qu'on a pris soin de moi. On peut travailler à un moment donné avec le toucher, c'est comme vraiment un sens qui est pas évident finalement, puis qu'on peut un peu réapprendre
à communiquer par ce sens-là, à sentir bien par toutes sortes d'exercices. Ça donne peut-être plus... Moi, j'ai vu une différence en 10 semaines d'une femme qui a trouvé... C'est vraiment, vraiment ouverte. C'était quelqu'un de très... renfermé, très aérienne. Puis qu'après, on sentait qu'elle était un peu plus... plus au sol, plus grounded, plus ouverte, qui avait envie de s'épanouir encore plus. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui parlent que ça développe la conscience du corps. Donc, même revoir toutes sortes de mobilités du corps. Donc, ça permet de s'écouter encore plus. Ça peut valoriser l'entraide, l'écoute. Donc, ça, c'est le fun quand il y a des programmes où est-ce qu'on se voit plusieurs semaines, on développe un beau lien de confiance. Moi, le groupe ensemble. Puis, évidemment, ça se permet beaucoup de se donner des idées aussi, là, réveiller la petite switch créative. C'est possible de faire ça, j'ai envie de faire ça spontanément et je fais ça. Puis, il y a quelque chose d'agréable là-dedans. Puis, évidemment, que certains peuvent réagir plus fort que d'autres. Dans un atelier, mettons qu'on est 50, ben on vivra jamais tous la même affaire. Fait que s'il y en a un qui dit « moi, j'ai vraiment trippé ce moment-là, ça m'a fait partir », l'autre peut être en larmes puis dire « non, moi, je veux plus jamais faire ça, là ». Donc, il y a ça aussi qui est à prendre en compte puis à pouvoir bien recevoir puis à gérer, finalement. Puis, c'est sûr que c'est difficile de faire, on va dire, arrêter la petite... l'analyse critique de la tête. « Ah, mais là, je veux pas avoir l'air ridicule, je veux pas faire ça, je veux... » Même pour, je pense, moi aussi, là. Mais... donc, ça, c'est quand même un défi que je retrouve souvent, tu sais, peu importe la clientèle. Et... donc, certains blocages là, par rapport à ça. Puis, c'est sûr que rentrer dans le corps, ça aussi, ça peut être un défi là, en général, dans le sens que plusieurs personnes vont spontanément parler. Donc, c'est inévitable. Ou rire. Non, mais c'est correct, c'est correct. Donc, bref, avec tout ça, c'est sûr que... Pour moi, c'est vraiment un privilège énorme de voir toutes sortes de personnes s'ouvrir, se rencontrer, danser ensemble. Je suis particulièrement chanceuse, je pense. Et puis, Marie et Mélodie, que vous avez vu tout à l'heure, bien, elles sont dans un processus de médiation culturelle qui est en lien avec le Centre des femmes La Basse-Ville. Donc, ça s'appelle Racines communes. Puis, on fait une représentation, bien, deux représentations dimanche. Ici même, à la Maison pour la danse. Donc, c'est un processus où est-ce que chacune a vraiment voulu partager, créer selon leur histoire, selon la notion de territoire. Donc, je pense que j'ai presque tout dit. Est-ce que... Oui, c'est bon, merci. Vous avez... Oui!